Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui cette délicieuse recette de poulet aux légumes, cuisson au four, préparation facile en quelques minutes. Idéal pour un repas du soir ou pour le dîner. Alors on commence par la marinade du poulet. Dans ce récipient, j'ai mis demi petite cuillère de sel, de poivre, petite cuillère de gingembre, de curcumin et de piment fort. Bien sûr, c'est selon le goût. Sauce moutarde, une cuillère à soupe de beurre et je mélange bien. Vous ajoutez aussi 3 gousses d'ail écrasées. Je les ai ajoutées par la suite. Le poulet, je l'avais bien lavé et nettoyé et trempé dans l'eau vinaigrée et citronnée. Ici, je vais utiliser juste la moitié. Je le pique avec le couteau. Si vous avez le temps, faites cette étape à l'avance et laissez-le mariner le plus longtemps possible au frigo. Pour moi, je l'avais laissé juste 10 à 15 minutes, le temps de préparer les légumes. Alors pour cela, j'ai mis dans ce moule qui va au four, l'oignon coupé en fines lamelles avec les tranches de pommes de terre, les rondelles de tomates. Bien sûr, vous pouvez ajouter les légumes de votre choix, selon ce que vous avez. Vous pouvez aussi ajouter les poivrons, la courgette, les olives, selon ce que vous avez. Je place dessus le poulet. Je rajouterai aussi quelques feuilles de romarin. Vous pouvez ajouter du persil, la coriandre, selon le goût. Et le jus de citron en dernière étape de cuisson. Voilà, je le couvre du papier cuisson, puis d'un autre aluminium et c'est parti au four préchauffé à température élevée à 250 degrés pour une cuisson d'environ 40 minutes. À la fin de cuisson, n'oublie pas d'ajouter le jus de citron. Comme vous allez voir. Je l'avais accompagné d'un smoothie rafraîchissant, nourrissant, composé d'oranges, clémentines, pommes et bananes, et avec de l'eau froide. Le voilà, c'est tellement délicieux, facile à préparer, comme vous avez suivi. Il ne me reste que de vous souhaiter un très très bon appétit. Je vous remercie de suivre la vidéo. Si vous appréciez la recette, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Je vous remercie de suivre la vidéo et à la prochaine.